Mom, just are you? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Excusez, j'ai le soleil dans le visage. Dans le fond, je m'en vais à la shop de perçage à mon amie, une très bonne amie. Puis dans le fond, je vais aller lui porter des œuvres qu'elle va pouvoir exposer dans son studio. Donc, comme vous le savez, je fais beaucoup de peinture abstraite. Puis elle a eu la gentillesse, en fait, d'exposer mes toiles dans sa shop. Donc, dans le fond, j'allais lui porter deux nouvelles toiles que je viens de faire, qu'elle pourra mettre en vente dans son magasin. Puis, en même temps, je vais vous montrer sa shop. Elle est vraiment cool. Puis, comme possiblement vous avez remarqué, j'ai beaucoup de perçages. Et oui, la majorité d'entre eux, eh bien, c'est mon amie Vicky qui les a faits. Donc, je vais regarder si c'est possible, mais peut-être que je me ferai un petit trou de plus aujourd'hui dans mes oreilles avec Vicky. Donc, comme ça vous permettra de voir un peu sa place, son studio, puis voir aussi où que j'expose mes toiles. Sans plus tarder, on va aller voir le studio de Vicky qui s'appelle le V-Salon, donc à Châteauguay. Puis, c'est ça. Donc, allons-y! Ça va? Oui, je sais juste pas où est-ce que je filme. Un petit peu plus haut, je pense. Et voilà. Tu entends un truc? Un bon vidéo professionnel. Tu sais que ça va me suivre jusque dans ma tombe, cette vidéo-là? Je suis pas mal sûre. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je viens tout juste de partir du salon de perçage de Vicky. Puis finalement, on a fait pas mal de changements sur mes oreilles. On a changé quelques bijoux avec des bijoux un petit peu plus haut de gamme. C'est du plaqué, c'est vraiment de la vraie or, c'est comme rose gold avec plein de diamants. Fait qu'on s'est amusé à changer quelques endroits, quelques bijoux de perçage. Puis on a fait un nouveau perçage aussi que ça faisait longtemps que je redoutais, qui est vraiment super beau, mais qui avait tellement l'air à faire mal. Donc j'ai finalement eu le courage d'essayer. Et puis je suis super contente, ça a vraiment pas fait si mal que ça. C'est surprenant vraiment beaucoup, mais sinon en soi c'est quand même assez rapide. Puis elle est tellement bonne que ça se fait vraiment super bien, super rapidement. Et en résumé, c'est super bien passé, je suis super contente de mes nouveaux bijoux. Je vais vous montrer, ben vous allez voir, je vais mettre comme une vidéo, vous allez voir un petit peu plus le perçage qu'on a fait ensemble moi puis Vicky, qu'elle a fait en fait parce que moi j'ai pas fait grand chose. Mais c'est ça, je vous suggère vraiment beaucoup cette place-là, Vicky, je trouve tellement c'est la meilleure. La majorité des perçages que j'ai sur moi, c'est elle qui les a fait. Elle est tellement professionnelle, elle est vraiment perfectionniste aussi, puis elle a vraiment des bijoux haut de gamme, super intéressants. Je suis bien contente, puis j'ai bien hâte de vous montrer plus proche dans le fond de quoi ça a l'air. Mais je vous suggère vraiment d'aller faire un tour si vous avez la chance. C'est à Châteauguay,
Elle va déménager bientôt, mais ça va quand même être à Châteauguay. Le studio de perçage, en fait, le salon, s'appelle le V Salon. V parce que Vicky. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a piqué un peu votre curiosité. Peut-être que ça vous a donné le goût d'aller faire des nouveaux perçages aussi. Mais sinon, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Instagram, sur sa page Facebook aussi. Voir un peu ce qu'elle fait, voir c'est où, voir les beaux bijoux de qualité qu'elle offre. Puis également mes œuvres qui sont disponibles et affichées dans son studio V-Salon. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, évidemment, allez baisser le piton like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, mais je vous invite à le faire. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bonne journée! Peace out!